je comprends pas trop là, parce que là, putain, je te demande d'amis. Et je suis en live actuellement, tu vois. Ok. Moi je suis dans les souterrains. Moi je suis là-bas. Après j'essaie de me concentrer, je fais de la merde depuis tout à l'heure, genre. Non mais c'est bien, tu me parles de plein de choses et tout, c'est lourd. Ouais, sale. Mais là, non mais là je te parle honnêtement de mec à mec. Enfin, y a un gosse, y a un bot. Tu vas avoir des changements dans ta vie avec du thé. C'est peut-être con ce que je veux te dire. Quand je te parle de changement, c'est au niveau de la santé, du poids, de l'athlétique. Tu vas être plus athlétique, plus vif parce que ça va t'énerver, ça va se simuler un peu. Et en plus de ça, comment dire, bah c'est bon. Et en plus de ça, bon si tu le bois pur 3 fois par jour, matin, soit au goûter ou au midi et au soir. Enfin, moi, ouais, je le bois au soir, c'est pas conseillé parce que le soir ça énerve. Il y en a deux pour nous, des armes comme ça, des mini point zéro. Le soir ça a déconseillé, moi j'en bois le soir et ça me détend. Ça dépend à mon avis des personnes, mais tu vas avoir du changement hein, au niveau de ton corps. Ça, le thé c'est incroyable. D'ailleurs, c'est comme le sirop d'érable et le miel. Ils ont même pas découvert encore toutes les vertus de ces produits-là. Moi, le sirop d'érable, le matin j'en prends sous mes pancakes ou voilà. Et le miel, bah le miel, je surkiffe ça. Ouais. Essaie de manger des choses saines et tu verras. Je te jure, ta vie, elle va changer, frère, la vérité. Et là, je te parle sérieusement, vraiment. Hein, pas parce que, genre, tu vas être plus athlétique, plus vif. Même sur Fortnite, je le ressens, je suis meilleur. Même si je suis la mort, je suis quand même meilleur. Je me trouve meilleur. D'ailleurs, c'est trop important le thé. Il y a énormément de vertus. D'ailleurs, un nutritionniste ou un médecin va te le dire. C'est, ouais, genre, c'est pas calorique, c'est de l'eau. Et c'est antioxydant. Ah, je me suis fait par la meuf là, la Jackson 5 là, la Drake. La Jackson 5. Oh, elle est pas morte. Ils ont combien de PV? J'en mets plus de PV aussi. Il a mis un 27, il a pas respecté. T'as vu le 3, si tu l'as mis, je crois que t'as fait un peu bizarre. Ouais, j'ai tourné ça moi-même. Honnêtement, le test, moi je trouve ça incroyable, je peux plus m'en passer. Je peux te dire un truc, Adil, vite fait? Ouais. Tu regardes un peu internet, genre YouTube, TikTok et tout? Je comprends pas trop là, parce que là, putain, je te demande d'amis. Je suis bon, mais. Mais je crois que je me suis fait hacker mon compte, hein. Parce que, genre, honnêtement, genre, bah, des fois, il y a des gens, ils rejoignent. Alors, j'ai mis mon groupe privé, tu vois, et ils rejoignent quand même. Genre, je crois qu'il y a moyen, je me suis fait hacker mon compte. J'ai un sale compte en plus. En fait, je vais te raconter un truc vite fait. Tu vois, moi, je suis un streamer. Ouais, bien, propre. Et je fais des lives sur internet, sur Twitch. Il faut pas lâcher, hein. Ah, je connais Twitch, t'inquiète, faut pas lâcher. Exactement, et je fais des streams sur Twitch, tu vois. Ouais. Et je suis en live actuellement, tu vois. Ah ouais, bien. Ah, c'est peut-être ça les demandes, non, d'amis. C'est ça, et du coup, t'as convaincu un peu tout le monde parce que nous tous là, on te kiffe, tu vois. On t'adore, on aime trop commenter et tout, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ah, les gars, je sais pas, vous êtes combien. Bon, calmez-vous par contre, je vous dis direct. Moi, ce qui m'excite, c'est les bécanes, les voitures. Eh les gars, je vous kiffe, et ça y est. Covid, hein. Geste barrière, y'a rien, les mecs. Hein. Moi, c'est les femmes, moi, j'aime bien les meufs, les voitures et les bécanes. Donc, moulou, les gars, j'ai assez de copains dans ma vie, de potes. Devine, sur combien sur le live, vite fait? Sur le live. Ouais, sur mon live, là, actuellement. Ah, attends. Je crois hasard 40, non? Tu vois, 40, c'est déjà énorme, 40 en vrai. Ouais, c'est bien 40 en vrai, j'avoue. Ah, sale. En fait, ils sont 350 là actuellement. Merde, ça manque. Putain! T'as vu, j'étais joué en début de game. Elle lâche rien, gros, tu verras. Les efforts sapés. Et d'ailleurs, je pourrais remarquer que tout au long de ta vie, bah, genre, ceux qui travaillent, les travailleurs, bah, ma mère, ils percent toujours. Bon. Ah, vraiment. C'est marrant parce que justement, j'ai réussi en. Sans jamais rien lâcher, tu vois. Et je lance des. Une de mes spécialités, on va dire, c'est de lancer des games comblés, tu vois. Et de parler avec les gens et de faire le fou et tout. Sauf que quand j'ai vu que t'étais plus fou que moi, je me suis calmé et tu débitais tellement de choses, tellement intéressantes en plus. Le thé, les voitures et tout. Et bah, du coup, tu vois. Ok, bah, je t'ai laissé. J'arrive, mais je suis là. Hein. Ah, mais t'es en bas. Ok. Ah, donc
donc je t'ai laissé parler quoi, tu vois. Je t'ai plus laissé faire et tout. Attends, je vais remettre en français. Parce que sur Twitch, je vais juste pour regarder mon Graal avec Fifi, tu vois. C'est comme mon pseudo, ma chaîne. Mais attends, j'arrive. J'arrive. Pierre Astac, alors. Attends, haut, ok. Eh bah franchement, félicitations parce que t'as Over Technology, je connais, et t'es juste en dessous de lui. Ah bah bon, je ne lâche rien. C'est bon. Overtech, c'est un pote. Par un pote, par contre. Par un pote. Attends. Ah, c'est pas ça, le casque. Je suis tout seul, toujours là. Putain, dans l'histoire. Moi, je suis mort. Mais wesh, t'as combien de vie, le pote, par contre, sa grand-mère? Ah, putain. Ah, bah, c'est pas, je suis mort, hein, ça me casse. Je triage. Ah, Overtech, je regarde ses vidéos, c'est pas un petit, elle joue trop bien. Moi, c'est un pro. Parce que je vois, il y a un petit là, un petit rebeu, il est trop fort sur le jeu. Ah, je crois que c'est lui, attends. C'est Migon, ça. C'est son frère. Bah ouais, là, c'est lui qui joue. Ouais, bah lui, il est trop doué, hein, il est fait pour ça. Hein. Ouais, moi, je regarde, il y a un gars que je regarde sur YouTube, c'est Jean-Paul Manoff, je le kiffe. C'est un bon, je le kiffe, genre, je l'aime trop. C'est marrant parce drôle, que... je trouve. C'est marrant parce que toutes les personnes que tu me cites, c'est des gens que je connais IRL, quoi, tu vois. Genre, t'as déjà vu JP en vrai? Ah, il a leur J, pas mal. J'ai même fait un restaurant avec lui. Eh bah, si JP, tu l'as déjà vu en vrai, j'ai juste un truc à te dire. Eh, c'est un bon gars, il faut qu'il lâche rien parce qu'à mon avis, c'est un gars, c'est un. Comment dire? T'as vu? Eh, il a envie de mettre bien la daronne, tu vois, ça se voit. Eh, la vérité, c'est bien parce que lui, il s'en bat les couilles des autres, il fait ce qu'il y a à faire. Et ça devrait être un exemple pour tout le monde en termes de parcours un peu. D'ailleurs, comme Deka, je le suis, j'aime bien. Et moi, je m'en suis un peu battu la couille de sa polémique, il fait ce qu'il veut sa vie. Moi, les fruits et légumes, j'en mange en excès tous les jours. Je trouve ça incroyable et ça m'excite, genre. Genre, c'est incroyable. Il y a une relation, il y a. Non, mais là, c'est sérieux ce que je te dis. Il y a une relation entre nous, il y a un lien, je peux pas t'expliquer. Genre, en fait, gros, ce qu'il faut savoir. Ça te veut du bien tout ça. Ils vont t'accompagner dans ta vie, dans tout ce que tu vas entreprendre. Ils vont t'aider à être plus vif, plus énergétique, tu vois. Et donc en fait, fruits et légumes gros, moi j'ai assez de surgelés, pourquoi? Je les achète surgelés parce que les fruits frais de nos jours, c'est tu connais hein, tout ce qui est pesticides, résidus, au niveau de la terre, nanana, c'est le scotch, tu vois. Moi j'ai assez de surgelés, pourquoi? Parce que dans le procédé de... dans le processus, quand un légume va être surgelé, il va directement être trempé à une température très basse pour que bah, justement le légume soit surgelé. Et quand c'est cryogélisé, ça garde toutes ses vertus en termes de vitamines, de nutriments, de fibres. Voilà quoi, t'as compris. Mmh. Et donc en termes de nutriments, paradoxalement, c'est beaucoup plus intéressant de prendre des légumes surgelés que forcément bah, des légumes frais. C'est, ah ouais. c'est paradoxal ce que je te dis. Hein. Alors que tout le monde conseille... Ah, c'est pas... Tu peux demander à une nutritionniste. Hein. Après, c'est top. Hein. Je chipote là, je te parle vraiment sur des trucs infimes genre... Merde, y'a un gars. Ah attends, hé, si tu sais que je suis Adjin, danse une fois. Ah, c'est pas un streamac lui, hein. Y'a un gars devant moi, y a une meuf, elle est fraîche. Eh gros, tiens, vas-y, c'est mon ref, vas-y, bismillah, inchallah, je me fais pas niquer mon compte. Allez, viens. Tu regardes un peu TK? T'auras rien. Non, je regarde pas TK, mais. Tu regardes pas TK? J'ai déjà joué avec lui, quoi, c'est tout. Bah, c'est pas mal. Bah, moi, je suis JP surtout pour lui donner de la force. Ouais. Genre, JP, les gars. Eh, les gars, sur le chat. Bon, c'est le gars sur Pirastack, hein. C'est un gars incroyable. Allez sur son. Donc, continuez à lui donner de la force. Et si vous avez du temps libre, tu stream quand? C'est tu stream tout le temps, non? Ouais, tous les jours. Donnez de la force. JP, les gars, JP, la vérité. C'est un gars, il veut s'en sortir. Il est dans la. Je pense qu'il est un peu en reste, tu vois. Eh, les gars, donnez de la ce fort, hein. La vérité, c'est un bon gars. Et moi, là. Et à chaque fois que. Attends! A chaque fois que je regarde ces vidéos, je me pète, je me barre tout seul, j'ai rien schizophrène, hein. Il est trop dans JP. Ok. Ça, les gars, bref. Ouais, donnez de la force à ces deux gars-là, Pirastack JP. Il y a deux streamhackers, c'est magique. Il y a trois. Les gars, ah voilà, attends, Pirastack, wow. Obligé, on danse tous ensemble. Viens, ouais. viens, on ouvre le coffre. Mais les gars, c'est une orgie, non? Ah, on est combien, hein? Non. Attends, hey gros, hey, juste parle pas, ok. Allo maman? T'as dit quoi? Attends, j'arrive, voilà, je suis désolé maman, attends. Voilà, je suis mort frère. Voilà, je suis mort frère, tête de ma race, je t'ai reculé ma race. Ouais, je vais me prendre des coups de claque dans la gueule, je vais pas comprendre. Ouais, allez.
Ah, je suis daronné d'un, je connais. Hein. Ouais, je connais. Là, j'ai mal à respirer ou c'est comment? Oh, pas trop, là. Tu me fais tellement rire que... Non, mais gros, ça, genre... là, je t'avoue que j'ai balisé un peu parce que t'avais la daronne. Enfin, c'est un mélange de Madara Uchiwa, gros, avec le Rinnegan et un mélange de Broly, frère, je sais pas trop, genre. Ah, un truc qui est très, très énervé, ouais. Ah, t'en parle pas, hein, je connais. Ça, la daronne, c'est la daronne, c'est la patronne. Elle me dit de faire ma gueule, je ferme ma gueule. Elle me dit de me jeter d'un pont, je me jette pas d'un pont. C'est un mec qui est malade. Ouais, on est d'accord. Ok. Eh, j'ai rien. Ouais, bah c'est tout. Arrête, ah, c'est la game sans moi. Ouais, je suis mort. Ah, ça me dégoûte. Dis Siri. Je vais laver les dents avec ma brosse à dents. Ok. Après ça, dans les trucs, je l'aime trop. Et ça va donner mon adresse. Eh les gars, vous avez rien entendu. C'est une adresse aléatoire, tu as vu. Eh si je donne mon adresse, genre si maintenant je donne mon adresse. Ouais. Y'a moyen, y'a des gens qui viennent me voir ou. Non, bah non. 300, c'est improbable. Donne mon quartier et c'est douce gants. Donne pas ton quartier en vrai, mais. T'es fou, ouais, non. Allez, les gars. Je suis un beau gosse dans la vraie vie, tout le monde me kiffe, j'ai des curly, je suis sucré, je suis marocain, je suis un métis. Mais les gars, je tiens à ma vie, hein. Les rageux, les haineux, je pense, ils sont partout dans Pirastak, faut se méfier, hein. Faut se méfier des hyènes. Adil ? Ouais ? Ce que je vais faire, mon gars, c'est que je vais te laisser tranquille. Vas-y, mon ref. Je te laisse faire tes quêtes et tout, y'a pas de soucis. Moi, ce que je vais faire, c'est que bah, pour la suite du live, là, c'est les game viewers. En gros, donc je vais faire des émissions ouais, avec normal, les viewers. Mais normal, frère, normal, t'inquiète. Après, tu peux participer, y'a aucun souci. Hein. Mais c'est un vas-y, système moi, de tirage au sort. Je vais faire mes défis d'inquiète, vous gosses. Ok, les gars, bah vas-y. Vous êtes des amours, je vous aime, bang bang. Ce que je peux faire, c'est que je te réinvite une autre fois ou quoi, j'en sais rien. T'inquiète, bref. Y'a pas ça de prise de tête, vas-y, c'est carré. Vas-y, alors. Si tu veux, tu passes sur live ou quoi, tu dis. Hein. Ah, t'inquiète. Et après, je vais passer là, parce que moi le soir, je vois quand je me lave les dents, on passe sur les lives en fait, comme je me fais chier, t'inquiète. Allez, okay. Les gars, cœur sur vous tous là. Eh, hey, c'est le sga, allez. Hey, vous avez aimé la vidéo? Alors, mettez un j'aime et abonne-toi à la chaîne de Pirastak.